Laetitia Hallyday, très affectée par les récentes polémiques autour du testament de son défunt mari, a retrouvé à New York son amie, la chef Hélène Darroze. Ils sont peu à s'afficher aujourd'hui, soutien de Laetitia Hallyday. Un peu plus de 2 mois après le décès de Johnny Hallyday des suites d'un cancer du poumon, son épouse est prise au cœur d'une bataille judiciaire très médiatisée autour du testament américain du rocker, qui déshériterait ses 2 enfants aînés. Laura Sonnet, après avoir fait part publiquement de sa douleur, a entamé avec son demi-frère David une procédure pour faire invalider le document. Accusée d'être vénale et même d'avoir été manipulatrice d'un homme malade pour son bénéfice personnel, Laetitia Hallyday s'est dit écœurée par le débat de l'âge cette dernière semaine. Affectée par la polémique, abandonnée par ses proches et attaquée de toutes parts, elle a profité des vacances scolaires pour emmener ses 2 filles Jade et Joa à New York. Elles y sont arrivées ce samedi soir, d'après BFM TV. Laetitia Hallyday et ses 2 filles ont retrouvé la chef Hélène Darroze, amie fidèle de ces dernières années. Une amitié solide qui s'est construite via le parcours d'adoption de la chef en 2007. À l'époque, c'est Laetitia Hallyday qui avait guidé Hélène Darroze sur le chemin de la maternité. Comme elle, elle a depuis 2 filles. En 2012, elles ont fondé ensemble la Association Caritative La Bonne Étoile pour aider les enfants et adolescents en difficulté par l'éducation et l'accès aux soins.